Et bien le bonjour, mesdames et messieurs. Oh, les gens qui sont pas contents là. Bienvenue dans ce nouvel épisode des aventures de Petit Mécasto. On continue les quêtes principales. Toujours pareil, hein. On en a encore quelques-unes. On a bien avancé. Hein. Regardez-moi ça, c'est beau, c'est propre là, c'est bien nettoyé. C'est surtout que j'ai dégagé des quêtes. Hein. On s'est amusé aussi à refaire le. Comment ça s'appelle ? La monture. Il manque les yeux bleus là, mais bon. C'est vrai que le dragon blanc aux yeux bleus, ça me plaisait là comme idée. Mais, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, quête principale pour s'équiper, pour donjon, raid en solo, tout ça, vous connaissez. Donc, allons-y, hein. On va pas trop attendre, hein, c'est tout. Hein. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, de mon côté. Ah putain, c'est ça que je voulais voir aussi. Attendez. On fait genre l'épisode n'a pas commencé, d'accord? Je vais regarder l'hôtel de. Attends, c'est où? C'est là. Le marché noir, on sait jamais. L'hôtel des ventes du marché noir. Hop là. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant? Ah. Chat Osef. Jeune Raptor Azashi. Hey. Ça c'est pas cher ça. Ça c'est de la plaque. Et ça c'est le conteneur, on s'en branle. 315 déjà. Ah ouais. Bon, on verra plus tard pour le Raptor. Vous avez créé des Raptors? Tout à fait. Salut Sandra. Bienvenido. Bienvenido a l'Armo del Rico. C'était dans... Bioshock, ça? Un truc comme ça? Je sais pas si c'est vraiment cette phrase qu'il dit, mais... Un truc du genre. J'ai encore les musiques de... Dans la tête, là. Musique de Sea of Thieves hein, que j'ai mis en début de live, juste trop bien. Et on a toujours les marqueurs qui déconnent. Nice. T'en fais chier. Ça c'est chiant ça. Ah j'ai bien avancé dans Plunderstorm aussi. Level 25. Ouais bon. Il y a un petit peu du son. Donc bientôt, il me manque 15 levels et j'aurai toute la transmo, plus la monture, plus tout ce qu'il se faut. Tout ce qu'il faut plutôt, tout ce qu'il se faut. Waouh, les phrases de fou quand même, Golter. Ça recommence à déconner, hein. C'est trop chiant. Ça recommence à déconner les suivis de quête. C'est vraiment un sup. Mais bon, c'est pas grave. C'est la mise à jour d'hier hein, qui a tout fait planter, je pense. C'est quoi ça? Serré vite. Je vais vite. Bon. On les ramasse. Il faut, hein. Nouvelle spécialisation de Nicki Minaj. Web. Deux secondes. Comment ça? Bah ben ouais, mais on va la débloquer, on s'en fout. Et de toute façon, je peux pas faire plus. Bon, c'est là? Ouais, ça a l'air d'être là. Salut! Pétez la gueule! Bon là, aujourd'hui, ça va être... franchement, ça va être trop bien parce que... On va récupérer beaucoup d'équipements. Dans les grottes, ils nous filent pas mal d'équipements épiques. Donc c'est trop bien. C'est trop bien. Parce qu'on va pouvoir booster tous ces trucs là. Et après on ira dans le rêve d'Emeraude. Et dans le rêve d'Emeraude aussi il nous file beaucoup d'équipements. De très bons équipements. On a regardé dans la fin du live hier. J'explique pour vous hein, qui êtes sur la vidéo. Ce que ça donnait en termes d'équipement. Et ça correspond au dernier raid. En difficulté normale. Et c'est très cool parce que... On est allé dans comment s'appelle le creuset. Le creuset des tempêtes. Non c'est pas des creusets de tempêtes, c'est... Si, creuser des tempêtes, c'est ça. Et on a remarqué que c'était possible. On va pouvoir se faire les raids. Et ça va être trop bien. Où est le... C'est là-bas? Oui, c'est là-bas. Donc on va pouvoir se faire ces raids. Les raids de BFA. Avec l'équipement, ça va être trop cool. T'as pas mis tes lunettes, j'avoue. Vous avez raison. Heureusement que le chat est là.
Heureusement que vous êtes là. Attendez deux petites secondes. En plus, elles sont... Ça m'énerve. Attendez. Pourquoi ? J'ai lu un truc qu'il fallait pas du tout ? C'est ça ? C'est possible, hein ? Ça, c'est les joies de... Ouais, les joies de l'âge, ça. Ça, c'est bien, ça. Mais tout à fait raison, hein, Sandra, hein, parce qu'après, on se fatigue les yeux et tout, et puis après, on comprend pas, on a mal au crâne, bref. Si je mets pas les miennes, t'es tout flou. Bah, en vrai, ouais, c'est vrai que la différence, elle est violente avec les lunettes. En vrai, ça va, là, je vois bien, mais c'est sur le téléphone. Sur le téléphone, là, comme ça, un petit peu plus loin, et que vous êtes en tout petit. Et puis les petits, et puis les petits. C'est vrai que j'ai un peu plus de mal. Ah bah oui, effectivement. Hop là. Nickel. J'ai activé le filtre reshade. Je vois mieux. Bon, let's go. En plus, je suis allé me chercher, là, avant-hier, les mêmes lunettes, mais en mode soleil. Parce que ici, c'est impossible d'avoir des lunettes de vue sans qu'elles fassent aussi lunettes de soleil. Hein. Parce que là, voilà quoi. Le sud-est, c'est bien. Parce qu'il y a du soleil. Mais justement, il y a du soleil. Bref. Mais donc, du coup, si t'as pas ça, c'est mort. Donc, on m'a dit ouais, vous voulez une deuxième paire? Tout à fait. Absolument. Vous voulez la même? Non. En mode soleil. Ah bon? Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Obligatoire. Professeur Gastrinax? Eh ben, sacré nom. Ils sont domptables, ces chiens de lave. Ouais, je sais, mais je les aime pas. Je trouve qu'ils sont trop lisses. Vous voyez ce que je veux dire? On dirait qu'ils sont fondus. Donc j'aime pas du tout. J'aime pas du tout ces chiens. Malheureusement. Nous avons découvert plusieurs. Ouais, je suis un peu chiant. Après, de toute façon, c'est comme... Voilà. Pour tout le monde, hein, les goûts, les couleurs. Aussi restreint que le nôtre. Mais j'avais déjà vu, ouais, dans la liste. Voyons un peu quelle surprise nous attendent. Mais c'est bon à savoir pour celles et ceux qui voudraient les dompter. Bien plus que tout ce que nous avons croisé sur les rivages de l'éveil. Ce sont des anciens Djaradin, les responsables du massacre de lignées entières de dragons. Là-bas, celle-ci a l'air encore endormie. Et les primalistes sont en train de la réveiller. Il faut les arrêter, et vite. Un instant. Vous sentez cette flamme qui imprègne la lave? C'est... de l'ombre flamme. Le poison qui a entraîné Neltharion dans sa folie. Nous devons y mettre bon ordre. Cette corruption ne doit surtout pas se propager. Eh ben, arrête avec tes dooms, hein. Tu me donnes envie de zerber, hein. Abusé, hein. C'est... Calmez-vous, hein. Doucement, hein. Je suis content de vous voir. Oui. Moi aussi, je suis contentitude. Veille sur vous. Allez, file-moi toutes tes quêtes, là. Avec les marqueurs, si possible. Non, je touche un... Ah, si. Waouh. Truc de fou. Depuis 2018 que je joue à WoW, j'avais jamais pu avoir... Chromola, c'est là, tu as fait ta vidéo et paf. Je l'ai eu pour mes deux chasseurs, merci à toi. Ah, oh, ça fait trop plaisir. Vous êtes adorable. Vous m'énervez d'être aussi adorable. Mais comment ça? C'est énervant d'être gentil. Non, évidemment, je déconne. Merci beaucoup. Mais tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ça me fait trop plaisir, c'est le but. C'est le but, c'est le but. Donc c'est trop bien. Trop trop bien. Je suis très 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 content. Si vous arrivez à avoir plein de nouvelles mascottes, plein de nouvelles montures, plein de nouveaux familiers, nouvelles transmo, tout ce que vous voulez en faisant les, ben, les raids en solo, les donjons, les aventures, les trucs, tout, tout, m'en fous. Tant que vous avez des nouvelles choses et que en plus ça vous fait plaisir pour vous, pour votre jeu, moi je suis heureux. Hein. Moi il m'en faut pas plus, hein. Moi, il m'en faut pas plus. Hein. Je suis ravi de vous voir. C'est trop cool. C'est trop trop cool. Et comme je le répète souvent, World of Warcraft est un jeu avec tellement de choses à savoir, tellement que c'est difficile de tout connaître. Même moi, je connais pas tout, hein. Même moi, je connais pas tout, hein. On pourrait croire, mais non. Je suis pas un grand spécialiste, hein. J'ai l'avantage, entre guillemets, d'avoir joué pendant très longtemps à ce jeu et de me renseigner beaucoup
Mais il y a tellement de choses planquées et j'ai tellement de trucs encore à vous montrer, c'est un truc de fou. C'est ça qui fait plaisir aussi. Je suis pas en train de me dire merde, j'ai fait le tour, il y a plus grand chose. Non, mais il y a trop de trucs, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de tout vous montrer, il y a trop de choses. C'est abusé. Je suis revenu sur vous, j'ai obtenu Destrier va fendre. Oh, trop bien. Taux de loot. Ouais, le loot, il est vraiment bas. Hein. Du destrier. Hein. Comment ça, invoque? Mais il est trop bien. Trop bien. Une des seules montures qui fait horde alors qu'on est côté alliance. Ah, Bantalos s'est fait des boitax. En même temps, il était dans la lave. Oh, c'est cool. Et attendez qu'on fasse les métiers, hein. Vous êtes pas prêts, hein. Mesdames et messieurs, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Quand vous allez voir qu'on va récupérer des plans d'ingénieurs planqués dans des fonds de donjons avec des quêtes obscures à la con. Vous allez dire, mais non. Si. Mais c'est pas possible. Si. Ah, c'est comme ça qu'on fait ce truc ultra rare de... Ouais. Des plans d'armes, enfin des plans de comment ça s'appelle, d'armes d'ingénieurs, mais oubliés de tout le monde. Si, bah alors ça, c'est sûr. Des petits robots à créer et tout. On va vraiment s'amuser. Hein. Moi, je m'éclate. J'adore ça. Ça fait un petit peu explorateur, vous savez. On récupère des trucs oubliés. Les Akali vénèrent la, c'est trop stylé. De la terre. Et la férocité du feu. On est pas des explorateurs un petit peu à la Indiana Jones ou ou Harrison Jones pour coller plus, voilà. Une alliance ancestrale entre les Akali et les... Salut Jean, bien bénito. Bienvenue tout le monde. Bon dimanche. Bon petit dimanche. Je te vois arriver toi là-bas. Dommage. Oh, bon, c'est pas grave, on reste dans le tas. C'est pas grave. Et ouais, Sea of Thieves avec les vieillards roux. Est-ce que vous saviez? Il y en a dans le chat qui savent. Les vieillards roux. Mais les fameuses vieillards roux. C'est un instrument très connu. Hein. Du Goltor seulement, mais très connu. Faudrait que je le relance aussi ce jeu. Parce que j'ai vu qu'ils avaient fait masse, mais alors changement de fou. Maintenant, il y a des serveurs full PVE, il y a des serveurs où t'as les deux, t'as des histoires de dingue avec plein de mélanges de licences très connues. Les musiques, elles sont exceptionnelles, hein. Vraiment, c'est un truc ce de fou. Ce sont ni les Akali, ni les primalistes qui ont forgé. Faudrait que je rejette un œil, histoire de voir un petit peu ce que ça donne. Enfin, le jour où on aura du temps, c'est-à-dire... Hein? Ouais. Voilà quoi. Je vais tricher, je vais faire ça le lundi, tu sais. Au lieu de démo sur les démos, hop là, ce sera Sea of Thieves. Ah, c'est pour tester la démo de Sea of Thieves. Le jeu est sorti il y a longtemps, Goldor. Non mais cherchez pas. Non, je garderai ce truc. Je rappelle que demain c'est ça, hein. Attention. Demain, hop là, on teste plein de jeux. Si ça se trouve, on va tomber sur des trucs comme la dernière fois, épileptique, où il faut consommer limite des champignons pour pouvoir y jouer. Et d'autres où ce sera beaucoup plus sympa. Offrande rituelle. Comment ça, que voici, où ça? Ah là-bas, j'ai vu. Depuis leur arrivée dans la côte. Ce hey nous a appris tout ce que nous avions besoin de savoir. Allons trouver Sabellion et notre prochain. Kwakubaka, oh là là. Oh, j'ai entendu ça. Kwakubaka. Ça c'est ban, hein. Non, j'ai... Alors vous me dites aussi, normalement j'ai changé quelques paramètres sur le chat là. Normalement quand vous arrivez, ça vous souhaite la bienvenue, tout ça. Ça vous dit d'être, voilà, de pas faire nimp. Bon, c'est les trucs classiques, hein, voilà. Je l'ai mis comme ça, mais en vrai, bon. Tout le monde se doute qu'il faut être normal, en fait. Hein. Est une question d'honneur. C'est quoi les règles? Rester un être humain normal, voilà, c'est tout. D'accord.
Putain, on a ramassé des trucs. Bon alors du coup maintenant il faut qu'on aille où là? Là-bas? Rejoindre Sabédian? Pourquoi je le vois pas Sabédian? Il m'énerve hein. Sabédian, t'es où? Attendez. Mais il est censé être en bas. En bas là-bas. Œuf calciné. Je peux le ramasser? Bizarre ça. Ah je peux. Ah je pensais que je pouvais pas. Alors ces piafs aussi on peut les dompter d'ailleurs. En familier. On peut, on peut. Magmoif. Alors s'il est pas là, c'est censé être où? Là. Exact. Que s'est-il passé? Nous ne pouvions pas. Oh non, mais ça j'ai dit qu'il fallait que j'enlève. Fais chier. Oh. 116, 117. Le 117. Nous nous reverrons plus tard. On dirait que tu choisis par rapport à l'argent. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Une frappe rapide et décisive. Après quoi, nous pourrons accéder à la caldeira en toute discrétion. Dans ce cas, hâtons-nous avant de nous faire la caldeira. Toi, t'as triché, toi. T'as pop après que je sois arrivé. On va récupérer ces minerais, hein. Tant qu'à faire. Putain, ils ont même des machines et tout. Trop drôle. Je suis né des cendres. Servir est une question d'honneur. Ah, ça c'est bien ça. Hop. Ça nous fait des puntos. Pour ça. Oh, il manque qu'un point. Un point. Un point. Un point et on a et on a comment ça s'appelle? La capacité de miner sur des montures. Ça, qu'est-ce que c'est ça? Déjà réveillé deux de vos anciens. Métamorphique. Le dernier devrait plus tarder. Vous osez nous parler de patience? C'est nouveau ça. Des siècles que nous attendons leur libération. Des siècles. Yes. Et on peut miner enfin. Doit remplir sa part du marché. Non, c'est pas ça, je veux ça moi. La maîtrise des éléments. Ah, ça c'est bien. Allez. Bon, c'est vous qu'il faut tabasser donc, hein, c'est ça? Eh ben allons-y, ça me va. Coffre bien mâché. On mâche des coffres. Hop. Oh. Ok. Qu'est-ce que c'est? Là, dans la caldeira. Fraca. Il se nourrit de l'ombre flamme. Je sens l'odeur du sang de dragon. Barrière misérable. Oh non! Sabellion est blessé. Fuyons. Oh merde! Trop tard. Oh non! Oh non! Ah non, alors ça, attention! Petit dragon, je me rendrai maître de ce que votre vol n'a pas su contrôler. Attention, si tu me le transformes en truc dégueulasse touché par l'ombre flamme, je sais pas quoi, je vais m'énerver, hein. Bois tous les minerais qu'il y a partout. Regardez-moi ça! Tas de déchets qui fouettent. Ok, d'accord. Ok. Voici l'objet légendaire, le tas de détritus qui pue. Eh bah merci. Hein, je... Bon, Sabellian, ça va?
Oh non. Puis-je vous faire confiance ? Ombre flamme imprégnée. Les tempes de Sabellion dégoulinent de sueur alors qu'il agrippe son bras en serrant les dents. Oh merde. Mon retour était absolument crucial. Que les vents vous guident. Nous devons transcender notre propre conflit. Consequences. Que les aspects veillent sur vous. Ça va, mec ? Mon bras ! Il l'a recouvert d'ombre flamme ! Il lui a suffi d'un souffle, émission ! Il me dévorait ! Ah ! Ça brûle ! Ça brûle ! Et ça me parle ! J'ai vu ! Je sais tout ça ! Pensons d'abord tes blessures ! Ce monstre peut attendre ! Ne te préoccupe pas de moi ! Tout ce qui compte, c'est Firaka. Je ne prendrai pas le risque de te perdre, mon frère. Pas même pour Firaka. D'accord. Mais uniquement parce que tu auras besoin de moi dans le combat à venir. Faut couper le bras. Je suis maître de mes trucs un petit peu énervé. Méfiez-vous. Besoin d'une force de frappe bien supérieure à celle que nous disposons. Ouais, il faut sauver. Évidemment qu'il faut sauver d'abord ça, Bélian. Avant de contenir l'ombre flamme, d'accord, grâce au totem. Tape à ton totem. Eh bien, allons-y. Dans cet état. Dans ce cas, ne bouge pas et ménage tes forces, Sabellion. Firaka va le payer. Oui. Parole d'honneur. T'inquiète, il aura ce qu'il mérite, comme tous les boss de chaque extension. Merde, j'ai pas mon familier. J'avais pas vu. J'espère vraiment qu'on va le sauver, hein, par contre, hein. Et qu'on va pas se retrouver encore une fois avec un truc à la con. Manque de bol, il est corrompu. Du coup, dead. Voilà quoi. Du coup, il est passé de l'autre côté. Et du coup, faut le tuer. Ce serait trop chiant. J'aime pas les trucs de corruption comme ça, hein. On se rappelle, hein, de certaines extensions. On sait comment ça se passe, la corruption. Ça, c'est... Ouais, il y a des dragons qui sont tombés dans la corruption très facilement. Hein. Avec des cristaux de sang dégueulasses, là. Donc c'est non. C'est quoi ça? Magma en bouteille. Alors moi, à la base, je voulais juste le coffre. Hein. L'objet est verrouillé. Fuck! Comment ça? Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Il faut trouver une bouteille de magma. Et utiliser le bouton... Ah bah d'accord. On l'a vu, la bouteille de magma. Et utiliser ça. L'impact peut réussir à faire fondre certains verrous. Paf! Facile. Nickel. Merci la donne, hein, surtout. C'est surtout la donne qui fait que c'est facile, hein, parce que sinon... ouais, hein, faut tabasser ça, hein, donc go. Bon, ça, c'est ok. Je suis content de vous voir. Je suis content, Titu. Que les aspects aussi. Veillent sur vous. Allez, donne-moi un autre truc à farmer. Méfiez-vous. Non. Se diriger vers l'hôtel. Ah ouais. Il est où l'hôtel? Là? Oui. Il va falloir agir vite. Ça devrait marcher. Placez les noyaux autour du totem. Ils nous aideront à contenir l'ombre flamme extraite de la plaie de Sabellion. Dépêchez-vous! Bah écoute, on fait ce qu'on peut, hein, je trace, hein. Je vais avoir besoin de votre aide. Je commencerai la canalisation à votre signal. Bah maintenant, hein. Traînons pas. Je ne sens plus mon bras. Qu'est-ce que vous faites? Je fais remonter la corruption de l'ombre à la surface. Tiens bon! Ça a marché. La douleur est insoutenable.
voilà qui est fait. J'ai purgé ton organisme. Tu es libre. Récupérez les noyaux. Il faut nous en débarrasser. Oh bah ça va, ça s'est bien passé. J'ai cru que ça allait plus partir en sucette que ça. Très bien, très bien. Lancez-les dans la lave. Ça ne fera que renforcer cette incarnation corrompue. Le mal est fait. Ce ne sera jamais qu'une goutte de plus dans l'océan. Oui, j'ai envie de dire, ça n'a pas changé grand-chose. Il a raison. Je suis ravi de vous voir. Bon, ça va, ça va, ça va. Veille sur vous. Ça va. Noyau élémentaire. Oh. Utiliser, lance un petit noyau élémentaire assombri sur la cible, ce qui inflige 138 000 points de dégâts répartis entre tous les adversaires. C'est pas mal ça. Que les vents vous guident. Bon, c'est surtout un bijou qu'on a bien mieux que. Voilà. Je suis toujours blessé, mais. Paf. Ça, ça dégage. Je ne la sens plus s'insinuer dans mon âme. Alors c'est que nous sommes intervenus à temps. Te voilà purifié. J'ai craint le pire. Te voilà purifié, ouais. J'allais finir comme lui. C'était limite quand même, hein. C'était bien limite, hein. Les Akalis vous prennent pour cible. Posez-vous, battez en traite. Non, ça va, ça va. Ils sont plutôt tranquilles. Ils sont pas. Je trouve qu'ils sont moins énervés que ceux qu'il y avait dans la première zone. Ils te tiraient dessus très rapidement quand t'étais en l'air. Là, bon. Ils chillent un petit peu plus. Ils te laissent profiter, on va dire. Draconium fondu. Non, mais non, c'est bon. Tuer des... Ouais, ok. Hein. Je sais pas pourquoi il faut qu'on les fume, mais... Alliance de circonstances. Conduit, drain terre détruit, noyau élémentaire extrait détruit. Faut que je fasse gaffe à ma vie parce que là je fais n'importe quoi là. Ok. Et ça. Hop. Ça dégage. C'est quand même tous des élites, hein. C'est pas... C'est pas rien. Ouais, ouais. Touti, touti. Ok. On a ces trucs à péter là-bas. Let's go. Bonjour, bonjour, bonjour. Hop là, ça je le pète, vous en avez pas besoin. J'adore faire mes quêtes pendant que je suis en train de combattre. C'est vraiment un privilège de chassou ça. Ça c'est vraiment les chasseurs. T'sais, pendant que t'as tes familles qui sont en train de tanker tout le monde et de tabasser, toi t'es en mode hop là, je fais ma petite quête. Soyez pas deg. Bon après il n'y a pas que les chasseurs, hein. Les démonistes ils peuvent faire pareil, en fait tout ce qu'il y a de l'aggro de toute façon. Tout ce qu'il y a de possibilité de redigérer j'allais dire. Hein. Pas mal celle-là. Il faut redigérer l'aggro. Ah ouais ça se digère, je savais pas. Bah ouais, bah maintenant vous le savez. Rediriger l'aggro. Ah, t'étais en feu par contre. Oh! Alors qu'est-ce que je prends? 382? C'est tout. Tout est pareil. Critique maîtrise, oui. 180, 500. Plus de critique. Yes! Les ombres de notre passé. Elle est belle cette cape là. Ah!
Bon. Je la mets là, on verra. On verra. Je dois voir les joueurs qui peinent à faire les quêtes. Toi, tu prends ton druid. On fufu. Hop, tu passes et tu fais la quête furtive. Ah ouais, ben ouais. Mais il y en a plein, en fait. Il y a plein de classes qui permettent de faire ces trucs-là. Il faut arriver à les maîtriser. Mais même, tu vois, guerrier ou un truc comme ça, tu sautes dans le tas. Tu fais un bon tourbillon, il n'y a plus personne, hein, tu galères pas. Hein. On a... Toutes les classes ont une force et une faiblesse. Chasseur de démons. Tu sautes dans le tas, t'étourdis tout le monde et tu te casses récupérer la quête avant même que les ennemis aient le temps de sortir du stun. Ça marche aussi, hein. Et oui, après, si t'es furtif, ouais, tu peux passer derrière les gens pour récupérer les trucs qui traînent. Tu les laisses prendre tout l'aggro, là, les joueurs, et après, toi, t'es en mode, hop là, merci. Ah là là. Mais putain, mais... Perspective. Allô? Allô? Oui. Heureusement que cette ancienne n'est pas sortie de sa torpeur. Vous avez vu la taille de sa lance. Quand bien même elle... Comment ça? C'est pas la taille qui compte, hein? Servirait-elle pour édifier un cas? Pour le pourfendre. Après, j'avoue que, ouais, ça a l'air d'être assez énervé, ouais. Mais c'est marrant, ils sont endormis comme des... Je sais pas. Bizarre. Ça suffit les mobs là? Vous arrêtez de pop de partout là? Voilà, quand même. Servir. Mais pas toi, je veux looter, mais putain! Transcender notre propre... Ça suffit. Avant de prendre notre envol. Bah, qu'est-ce qu'il veut l'escargot là? L'escargot qui a voulu se friter. Bon alors. Il me faut... Dernier orbe. C'est pas ce que je voulais faire. C'est pas ce que je voulais faire non plus. Oh putain. Ça, ça dégage. C'est toi qui fais des avalanches éveillées, ouais, ouais, j'ai bien compris, ouais. Allez, tiens. Oh, il a foutu son shield avant. Vilain. Alt cannon. Ah oui, c'est ça. Voilà. Ouais, pétez la gueule, trop bien. Ouais. Comment ça, t'as l'impression de me connaître, tu fous de ma gueule ou quoi? Évidemment que tu me connais. Il est con ou... Ah, faut ramasser ça. Si primitive et barbare puisse-t-elle paraître, cette arme est de fort belle facture. Tous de fort belle facture. Vont porter leurs fruits. Je suis mort. L'arme et l'occasion de frapper. Ça, pour moi, c'est un des sorts les plus fumés du jeu. Le fait de pouvoir faire le feindre la mort, je trouve ça trop fort. Salut Christophe. Bien le bonjour. Bon, qu'est-ce qu'on en fout de cette lance? Côte de maille. De vengeance soulève des montagnes. C'est ainsi que j'ai protégé les nôtres en Outre-Terre. C'est moi? Ou Viraka est encore plus costaud que la dernière fois. Ah oui. J'ai tué des grognes qui feraient passer ce moucheron pour un vulgaire nabo. Je crois bien qu'il se renforce à mesure qu'il absorbe l'énergie de la caldeira. Nous devons l'abattre avant qu'il ne devienne trop fort pour nous. Vous, qui avez eu affaire à des monstres de ce genre, vous le savez mieux que personne. Bon, d'accord, mais Je me suis absenté. Tu veux lui jeter une lance dans le fion, là? Ah ouais? Le vol noir ne laissera jamais une autre monstruosité ténébreuse voir le jour. Une lance? Vous me prenez pour un imbécile? Bah ouais, hein. Les Jaradines m'auraient déjà tué s'ils pouvaient me transpercer le cuir. Chabellian! Bah c'était un peu trop, oui, bah oui, hein. De faire un sort à ces insectes, mais l'ombre flamme est prête.
presque mienne. Je ne peux pas quitter la caldeira si près du but. Et ce pouvoir est désormais... Libérez-vous de vos chaînes, ancien Jaradin. Ah, là c'est la merde. On ne peut pas rester là. Ancien Ira, ne laissez pas cet enfant de Neltharion s'échapper. Oh! Wouah, c'est la giga merde! Non mais! Ça détecte les rares pendant la cinématique. Ouais. Ils ont l'air sereins quand même, hein. Aïe aïe aïe. Ébissian. La sagesse nous guide. Nous ne faisons pas le poids. Pour non, dis pas ça. Je bougerai pas tant que cette lance sera plantée dans mon flanc. Mais nous devons suivre la piste de Firaka. Retirez-la, je saurai supporter la douleur. Ah ouais. Je crois pas, hein. Le vol draconique. Il faut l'extraire plus vite. J'ai besoin de... Faut jamais faire ça, mesdames et messieurs, ne jamais retirer quelque chose de planté. Ébissian, Sabrion, je regrette. Doucement, on ne peut pas extraire leur lance. Les ardillons se coincent sous nos écailles. Je peux chauffer le métal pour en ramollir la pointe. Mais non! Laisse-moi rassembler mes forces. Sabrion, tu es blessé. Je donnerai tout pour te sauver, mon frère. Parce qu'en fait, on fait autant de dégâts en retirant qu'en plantant, en fait, les choses. Donc, ouais. Ce sera douloureux, mais cela aura l'avantage de cautériser la plaie. Oui. Ah, voilà qui est fait. Retirez la lance avant que le métal refroidisse. En ce qui me concerne, je suis à bout de force. C'est abusé que vous soyez vivants encore, vous deux, hein. Sérieux, avec ce que vous prenez dans la gueule. Et vous êtes. Comment ça, et vous êtes? T'es débile ou. Très bien. Bon, ça, je les mets là parce que je sais pas à combien on va pouvoir les améliorer, ces pièces. Des temps difficiles. Bon, ils sont sauf, hein, ils sont pas morts, donc bon, bah déjà. C'est étonnant. Les flairons de terreau ne peuvent pas attendre. Partez devant. Oh, ça c'est bien ça. Ça c'est chouette ça. Ça c'est une bonne idée, tiens. De faire des quêtes avec le vol. Trop trop cool. Allez dans terreau. Bah alors eux, je me demande comment ça va se passer. Parce que l'autre il était serein là. Ça va? Ah non, ça va pas du tout, ouais. Ouais. Ça ne va pas du tout. Servir est une question d'honneur. Que les aspects veillent sur vous. Ok. La ville brûle. Nous devons agir vite. Qui feu éteint. Sabellion. Et l'ombre flamme de Firaka est partout. Reste ici. Vous, avec moi. Ah. Et nous devons aider ces braves gens.
Je savais à l'odeur que vous étiez là. T'es sauvé? Bah j'imagine. J'imagine. Il faut à tout prix les sauver. Mais attends, mais comment ça chercher des villageois? Je sais pas. Ah si, c'est bon, je vois le marqueur. Il faut à tout prix les sauver. Je vois. Ah, il peut pas spammer. Voilà pourquoi. Ça c'est un peu con ça, mais. Force de la terre. Mais bon. Viens-moi en aide. À la limite. Force de la terre. Viens-moi en aide. Ok, donc ça c'est bon. 3. Faut juste leur parler apparemment, bon. Il est joli ce phoenix. Braise nuit. Like a phoenix. Ils se sont bien fait déboîter quand même les pauvres. Ils ont rien demandé, ils se sont fait éclater. Ils étaient tranquilles là dans leur petite zone. Il a fallu qu'on ramène tout ce bordel. Comme d'hab, hein. Ah, il est au-dessus. Attends, quoi? Ah là. Parapam, papap, paraparapam. Debout, Bryn. Courage, on a connu pire. Tu sais bien que la première règle de la chasse, c'est de rentrer au bercail en un seul morceau. Ancienne, nous devons vous faire sortir d'ici. Je vais dissiper les flammes qui barrent la sortie. Suivez-moi. Je partirai pas sans Brynzas. Jamais je... Je vais le porter. Dépêchez-vous, le temps presse. Ah bah en fait, je suis passé par là où il y avait le feu alors qu'on aurait pu faire... Ouais, bon... On aurait pu faire le tour, c'est pas grave. Ils font des sacrés trucs les deux quand même, hein. Bryn, tu aurais dû te mettre à l'abri au lieu de te soucier de moi. Tu étais si jeune. Ils ont pris giga cher, mais ils continuent à se battre, hein. C'est cool, hein. 2500 la réputation auprès des flairs, d'accord. Qui sent la mort et le souffre. Ébition, qu'ai-je fait? Bah t'as rien fait, toi. C'est bon, ça qu'ai-je fait? Firaka aurait semé la désolation, quoi que nous fassions. Je n'ai pas su l'arrêter. Et un tel carnage ne s'oublie pas facilement. Mais t'inquiète pas, on va le retrouver, on va le tabasser, comme tous les autres boss. Par contre, c'est vrai que, ouais, jeter une lance sur un dragon de fou furieux, c'était un peu débile. C'est vraiment le... le marteau en mousse, quoi. C'était, ouais... C'est comme jeter une boule de neige à Arthas, quoi. Bon. Voilà. Ah ah ah, Arthas, tiens, une boule de neige. Et surtout en mode... Sérieux, là? T'es sérieux, du con, là? Cherche la merde? Rapport livré. Ah, parce que c'est en haut. Ben oui. C'est en haut. Voilà. N'allez pas me faire porter le chapeau. Je n'ai rien à voir avec cet incident à la caldeira. Irion, il faut annoncer la nouvelle aux aspects, au nom de notre vol. Firaka a surgi de Zaralek en semant la destruction dans son sillage. Que s'est-il passé? Tu peux pas redescendre, toi, s'il te plaît, parce que t'es un peu grande, là. Eh bien, il s'est passé que c'était la merde. Méfiez-vous. L'heure est grave, reine Alexstrasza. Nous avons suivi Firaka jusqu'à un vaste chaudron souterrain, une source de feu élémentaire.
Il en a absorbé les énergies et est ressorti, nimbé d'un halo d'ombre flamme. L'ombre flamme. Nous ne pouvons pas vous exposer à sa corruption. Les autres vols vont traquer Firaka et faire en sorte d'arrêter la flamme fracturée. Vous ne pouvez pas retourner à Zara. Eh ouais. Sauf votre respect, lieuse de vie. C'est elle de mort qui a succombé à cette corruption. Je suis convaincu que nous avons la force de résister à ce qui nous attend. Et vous autres? C'est à nous de livrer ce combat. Le monde doit savoir que le vol noir est capable d'assumer ses responsabilités. Très bien. Quand vous vous sentirez prêt, rendez-vous à Zaralek. Puisse le véritable esprit du garde-terre vous guider. Alors, fais confiance. C'est bien. Après, je comprends qu'elle soit un petit peu réticente, hein, parce que Eldemort, il a foutu un sacré boxon quand même. Donc bon. Normal, normal. Que les aspects veillent sur vous. Le vieux marché. Ok. Ah, on a une autre quête par ici. Où ça? C'est toi, Alexstrasza? Tu veux me parler? Non? Olé. Allô? Bonjour madame. On va attendre qu'elle se pose, hein, qu'elle fasse sa vie. On remet ça, quête disponible. Non, ça a pas l'air d'être là. Bah si. On s'en fout. Ah, il est là. Oh putain, Chromie, chut. Servir est une question d'honneur. Donc continuer à avancer. Ok, retrouvons-nous là-bas. Bon. Que les vents vous guident. Allons-y. Il n'y a pas de temps à perdre. Demandez un portail à Kalégos. Oh, trop bien. Du portail de TP. Milieu souterrain étant très complexe. Ne t'en fais pas. Oui, c'est pas grave. Ce sera pas pire que les téléporteurs gnomes, hein, ou gobelins. Hein. Ah! En fait, si, ça peut être pire. J'ai pas le droit de désengager? Certainement pas. Wouhouhou! Merci. Pas passé loin, mon ami. C'est clair. Merci, Kalégos. Par la faute d'un sort de téléportation défectueux, je ne le pardonnerai jamais. Trop marrant. Cela étant dit, il ne me semble pas utile d'en informer Alexstrasza. Oui, t'inquiète, t'inquiète. C'est trop marrant, le petit bonhomme là, il avait un ballon. Il se l'a joué en mode Tinkle. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse ici? Mission trouvée. Non mais ça c'est une quête ça. Enfin c'est pas une quête, c'est une XP. Ouais voilà. Faut que j'aille là-bas. J'ai bien aimé ça, c'était marrant. Voilà. Bonjour. Je suis content de vous voir. Méfiez-vous. Bon alors, nous devons, on va la purger cette crotte ou comment ça se passe là? Avant d'engager le combat. Avant d'engager le quoi? J'ai pas compris. J'ai pas lu. Je suis déjà en train d'engager le combat moi. Alors avant qu'on commence à combattre, il faut que... Il est où petit Mécasto? Notre ancien oh, nous con. A été enlevé par les dragons, écroupi depuis dans les geôles d'Aberus. Bon déjà, elle, faut la fumer. N'ont pas oublié. Et bientôt, nous entrerons dans cette prison pour l'en libérer. Yar, 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 yar. Mm-hmm. Bon d'accord. Que les aspects vous gardent. T'as quoi à vendre toi? De la merde, d'accord. C'est pour être sûr. Bon ben ça je m'en fous. M'en fous. M'en fous. M'en fous d'un peu tout en vous fait hein. Tous les draconiens. Préservez-vous, tombez bien. Je viens d'acquérir un stock d'engins incendiaires. C'est bien ça. Je vais vous les faire porter. Tout ce qui brûle et qui explose, je prends. Enfin brûler, je sais pas trop hein. C'est des tueurs de dragons, il y a de la lave partout. Je sais pas.
Mais tout ce qui explose, je prends. Guide. Nous devons transcender notre propre conflit avant de prendre oui, oui, oui. Apporter ces bombes au commandant. Oui, oui, je oui, je suis Timmy Casto. Dip, 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 dip. Nous comptons sur Ba-ba-dip. Vous. Salut. Laissez vos armes. C'est notre. Ouais, je suis un livreur. Oh putain. Ok, c'est parti. Les petites quêtes hein, d'entre deux. Il faut aller faire péter des trucs, il faut aller cliquer sur des choses, tuer des méchants. Gloire. On connaît. Bon, bah c'est la vraie baston là, c'est bien ça. Ça c'est bien ça. Ça c'est bien ça. Fait tout péter. Donc, plan d'invasion obtenu. Chante guerre, Ronvat tuer, langue de feu, Zakali tuer, balise truc, tout faire péter, 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 exploser, boum, chalakaboum. Kaboum! Ok, on connaît. J'ai toujours pas invoqué mon pet. Hein, c'est mieux là comme ça. Non, tu t'étends. T'enrages rien du tout. Ça, ça dégage. En fait, ils sont utilisés comme engin de siège, ceux-là, là. Je rêve pas. Trop marrant. Trop drôle. Ok. Ah, c'est ça, hein. Langue de feu. Wouah. Joli, lui aussi. Joli, joli. Un pack. Ah là, vous me visez plus, hein. Eh ouais, hein. Là, vous êtes emmerdé, hein. Et donc, du coup, on va pacifier la zone. Ah, au fait, faut que je vous dise. C'est confirmé, hein. La personne qui fait les voix de... On m'a confirmé ça en message sur... En commentaire sur une vidéo. La personne qui fait le doublage des voix de Stallone, c'est bel et bien le mec qui a fait les voix qu'on a entendu avec le personnage du vol draconique bleu. Je me rappelle plus son nom. Mais c'est bien lui. C'est tout à fait lui. Je me disais bien quand même. Comment il s'appelle? Je vais vous donner le nom. Attendez. Ne bougez pas. Il s'appelle Alain Dorval. Voilà. Alain Dorval. Quand je dis qu'on a des comédiens doublage fou furieux quand même. Hein. Comédien, comédienne. Hein. Vraiment, truc de dingue. Je me disais bien qu'il y avait ce petit grain de voix là. On m'a dit ouais ouais c'est lui, c'est lui. J'ai regardé, effectivement, c'est tout à fait lui. Et il avait déjà fait des voix dans d'autres extensions, mais j'ai pas noté. Ça m'a pas autant marqué que là. Là, il y a celui qui fait Jim Carrey aussi. Celui qui fait la voix de Jim Carrey avec un gnome. Quand on lance la quête justement pour aller sur les îles aux dragons. Donc trop cool. Trop trop cool. C'est ouf hein, de prendre ce genre de personnes pour faire... Pour faire juste des voix dans un jeu vidéo, je trouve ça trop trop bien. Enfin juste. C'est un giga business hein, maintenant hein, les jeux vidéo. C'est plus comme avant mais c'est fou quoi. Je trouve ça fou de voir ça. Voilà. Zone pacifiée. Hello. Ah j'ai tout fait péter, trop bien. Ah j'ai tout tué, trop bien. Ah j'ai trop bien aussi, je sais pas ce que j'ai fait. Ah oui le plan, voilà. Voilà, donne-moi des plans, voilà, des réputations, des trucs, des ouais c'est cool, merci. Aujourd'hui, nous allons. On n'a plus le droit. Non c'est pas ça. Ces terres sont sous notre protection. Il est temps. Oh, 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 oh. Lance une boule de feu vers un emplacement. Puissant rugissement, faites appel à la terrible colère des dragons noirs. Allez hop dans vos gueules. Tiens. Tiens.
Tenez, allez, boum. Voilà. Nettoyage par le vide, on aime ça. On doit en faire combien? Ah bah c'est déjà fini. Oh non. Moi j'ai envie de faire des massacres. De quoi? Non mais c'est parce que... Ouais. Dans le jeu, hein, restons calmes. Mais j'ai envie de les fumer, moi. Tiens, ta gueule, toi, là-bas. Hop là. Hop là. Boum. Que s'est-il passé ici? Oh. Ah, hein? Nous vivons des temps difficiles. Pourquoi les jardins ont trouvé la mort? Parce qu'ils se sont fait arracher la tête, tout simplement. Méfiez-vous. Enquête sur l'inconnu. Veille sur vous. Une embuscade. Ouais. Que les vents... Du calme, mon petit. On ne te fera aucun... Les armes. Salut, Gladiator. Ça va très bien. Ça va très bien. La bannière de père. J'espère que toi aussi. Son brute reste fidèle à l'Eldarion. Capratou. Les adversaires viennent peut-être d'Aberus. Ils sont tombés donc sur une embuscade. Quelqu'un les a explosés. Nous devons notre propre conflit. On ne sait pas qui encore. Notre vol. Oh, Glisdrek, méandre, corne rabattue. Méandrique, pardon. Que les aspects veillent sur vous. Le pire tout pire. Trouver... Oh! Ah ouais? Ok. Méfiez-vous. On aura déjà la monture... c'est trop... Ok, bah cool. Hein. C'est trop bien. Alors, vous êtes censé être mort, mais pas tant que ça, en fait. Ils ont tué des mobs, mais... De pas partout. Oh putain, mais vraiment, hein. Pas de partout. Ok. Il y a plein de minerais en plus. Oh le beau. Oh le beau là-bas. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas. Mais ouais. Oh. À moi. Ok. Eh, faut vraiment que j'enlève ce truc. J'arrête pas de le dire, hein. Mais il faut qu'on aille voir le PNJ dans les plaines d'Onara, là. Insupportable d'avoir cette tête de... Hein, vous m'avez compris. Bon, faut juste tuer des trucs. Pour perturber... Draconir Draconide. En fait, c'est eux qui ont fumé... Neltarion vengera ma mort. M'en fous pas, lui. Ok. Microbe, mais ça va pas mieux? Je suis un mécagnome, madame, s'il vous plaît. Respectez mon autorité. Oui. Comment ça parle pas bien là? Surveillante Ximra. Je vois bien que vous avez les mains chapardeuses. D'accord. Si tu veux, hein. Toi, t'auras plus de main. Pas de bras, pas de chocolat. Non. On va ouvrir quelques cages et voilà. Bon, on s'est juste occupé de gens qui faisaient de la contrebande. Bon. Il y en a qui en avaient profité pendant que c'était le boxon pour capturer des drakes. Ok. Ça nous arrange parce qu'ils ont fumé les autres, et puis en plus de ça, on va récupérer les drakes en question. Donc bon, voilà, hein, mais pourquoi pas. Je suis ravi de vous voir. Évasion. Que les vents vous guident. C'est bien ça. Que les aspects. Que les aspects.
Ils sont beaux. Ces créatures serpentines pourraient s'avérer utiles, pour peu qu'on les mette au service du vol. Ce ne sont pas des créatures, Sabellian. Ce sont nos congénères. Il a raison. Le fruit des expériences ratées de mon père, rien de plus. De la chair à canon, en somme. Nos origines ne nous définissent pas. À moins que tu me considères moi aussi comme un pion. Eh ouais. Oui, c'est exactement ce que tu es. Mais ça va mieux ? Tu te trompes. Bon, ça suffit les frangins, là. Mettre un taquet à chacun, hein. Donc pas que vos destins sont liés. Vous aurez beau le nier, vous êtes frères unis par les liens du sang. Deux ailes qui n'ont d'autre choix que d'apprendre à voler ensemble avant qu'il ne soit trop tard. Petit taquet derrière la nuque à chacun là. Vous allez vous aimer, bordel de merde. Vous allez vous aimer les uns les autres. Bon, on verra l'histoire du Drake, hein. À la limite, on le met là, on va voir hein, s'il est joli ou pas. Servir est une question d'honneur. Je ne suis pas en colère. Ça n'est pas triste. Voilà tout. C'est navrant de voir Irion et Sabellian se bagarrer de la sorte sans pouvoir mettre leurs ambitions et leurs différends de côté. Oui, t'inquiète pas, je vais les calmer. Je leur mets trois tartes à chacun là. Tu verras qu'ils vont arrêter de faire chier. Oh, mais il a dit. Oh, il est beau. Oh, j'aime bien. Oh, j'aime bien. Est-ce que tu connais Immortal Phoenix Rising ? Que de nom. Je ne connais que de nom. Je pourrais même pas dire quel type de jeu. Je sais que c'est un jeu, mais... Hé ! Approchez-moi ! Que je vous renifle de plus près ! Ah, voilà, quoi ? Grande crête avec des ailerons, corne brune, grande pointe de menton. Crête, hein. Quel malheur de vous voir partir ! Oh ! Vous cherchez votre chemin ? Merci. Pas coller le museau dans les affaires des autres. C'est quoi ça? Oh. Tout le monde, deux par deux, ne partez pas en solitaire. Tout le monde, Gérard Depardieu? J'ai pas compris. Quoi? Oh, faut pas me surprendre. Je vais acheter ça. Et je vais acheter ça, hein. Moi non. Attention ou vous fourrez le nez. Waouh, j'allais dire une dinguerie. Je savais à l'odeur que vous étiez pas loin. On va rien dire. Qu'est-ce qu'elle veut que je fasse là? J'ai pas tout suivi hein. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le giga cadeau? Ah, c'est ça. 1500 de aider les flairants et les trucs. Ouais, mais ça je vais le faire avec la quête principale en fait. Donc non. Donc non. C'est un nom de nom. Un nion de nion. Bon, je vais me rendre là-bas et on va couper l'épisode des aventures de Petit Mécasto ici. Encore une fois, on a super bien avancé. Oh oui, mais on peut miner, c'est vrai, sur la monture. Oh là là. Oh, le régal, le régal, le régal, le régal. Regardez-moi ça. Oh, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop... Oh, oh. Ça, Goltor, on a compris, calme-toi. Non, jamais. Jamais, jamais. Je vais aller là-bas. Hein. Ouais. J'aime bien cette monture. J'aime bien la queue qu'elle a. Qu'est-ce qu'on a fait ? Matriarche, pince de magma. Ouais, mais non. Moi, c'est trop chiant, ça. Bon bah écoutez, je crois qu'on approche de la fin peut-être potentielle ce que prépare Sir Carrette. De la zone comment ça s'appelle, des grottes. Parce que là on s'approche du gros temple hein, ils sont en train de se dire bon il faut se calmer, faut jouer ensemble, tout ça tout ça. Enfin jouer ensemble, vous avez compris, jouer ensemble. Il faut être ensemble. Ok, tout ça ça se vend. Je vais foutre en vente tous ces trucs là. Ouais. Et donc on verra ça dans le prochain épisode. Ouais ouais ouais. Ouais ouais ouais. Expédition Dracaré, Centaure Maruk, Concordat, on augmente hein, en Concordat, c'est cool. Hein.
Oh, ça, ça va être bien, ça. Et on aura la suite de quêtes. Putain, j'avais même pas vu qu'on avait 19 aussi. Mais attends, mais... Hein? Quoi? Attendez, génie. Tracaré 24. Non, mais c'est Valraken, ça. Couillon. Oh putain, Tracaré 24. Ouais, mais on verra, hein. Bon, allez, bref. Mesdames et messieurs, pour l'aventure de Petit Micasto, on s'arrête là pour cet épisode et on se retrouve dans le prochain. Voilà. Des bisous. À la prochaine. Ciao, ciao.